Et depuis que vous vivez avec cet homme, qu'est-ce qui se passe? Ces anciennes femmes essayent de vous faire sortir de cette relation par tous les moyens. Ils essayent de vouloir vous empêcher de vivre en paix et ils essayent d'introduire dans lequel vous vous sentez beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là? Voilà. J'ai dit toujours dans mes vidéos, réveillez-vous. Il faut protéger ton image. Ton image, c'est ta photo. Il faut protéger ton nom. Ton nom là, il faut le protéger. Les gens vont se fatiguer. Toutes ces femmes là, elles savent que vous êtes venu prendre. De sorte que on va pas vous demander de laisser le monsieur. Vous-même, vous allez le laisser avec beaucoup de rapidité. Si vous êtes forte, ils vont maintenant chercher à vous lancer quoi que ce soit pour vous empêcher d'être heureuse dans ce foyer, n'est-ce pas? Lavez-vous un peu. Protégez-vous un peu. Quand tu sais que tu es dans une bataille pareille, il faut te protéger, non? Ma soeur, ça là, c'est pas compliqué. Il faut te protéger. Parce que la nourriture que tu es venue prendre là, c'est d'autres personnes qui ont préparé. Ça, c'est la logique de la vie. Le monsieur que tu es venu prendre, il y a déjà des femmes qui ont déjà lavé ce corps. Il y a des femmes qui ont déjà occupé cette place. Maintenant, quand toi tu viens, il faut comprendre que ça serait une bataille pour que tu puisses prendre ce gâteau pour toi toute seule. Écoute-moi bien, ma soeur. Tu vois la pâte de manioc qu'on prépare. Les Africains appellent ça le chikwan. Tu peux trouver ça. Ou bien la pâte de manioc, on appelle ça plakali. Tu peux trouver. Je vais te montrer quelque chose. Les femmes là vont crier ton nom où elles veulent. Elles vont perdre leur temps. Tu vas acheter la pâte de manioc. On appelle ça plakali. Sinon, si tu ne trouves pas, il faut chercher le chikwan. Le chikwan là, il faut couper ça en 7 morceaux. Pour ceux qui ne peuvent pas trouver le chikwan ou bien le plakali, prenez la kassa. C'est pareil. Comme le plakali, Akasa. Hey, vous allez couper ça en 7 morceaux. Les femmes là, vraiment, parce que avant de faire des astuces pour te mettre en position de sécurité, il faut que ton corps là même soit déjà en sécurité, non? Parce que si les gens peuvent avoir ta photo et ton nom, c'est un passage. Et puis, si elles ont ta date de naissance, encore pire, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec toi. Voilà, si tu n'es pas protégée, bien sûr, parce qu'on ne prend pas photo de tout le monde. Il y a des gens, tu prends leurs photos, toi-même là, ça va te dépasser. Ça va dépasser toute ta famille, ça va ramasser toute ta famille. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que je vous dis, lavez-vous un peu, réveillez-vous un peu pour votre vie. Sinon, affaire de mariage, là, il y a beaucoup de choses dedans. Akasa, Chinkwan ou Plakali, là, quand vous avez fini de cuire ça, laissez ça va refroidir. Si vous n'avez pas fait cuire vous-même, c'est quand tu fais cuire toi-même, hein, parce que moi, on ne m'a pas dit d'aller acheter. Si tu as fait cuire toi-même, que tu as pu avoir ton Plakali sèche, et il ne faut pas sécher, tu fais 7 boules de chaque. Akasa, là, tu coupes en 7 morceaux. Hey, les filles, soyez prêtes pour faire ça. Je vous dis, hein, quand vous avez fini de faire ça comme ça, pas cherchez vos vieux chaussures là, 7, déposez 1, 2, 3 morceaux de plakali. Laissez là seulement 3 jours. 3 jours. 4e jour, enlevez ça de vos chaussures. Vous serez assis et puis les nouvelles là seulement vous allez apprendre. Je n'ai pas dit que ça fait quelque chose de mal. J'ai dit même votre nom, les gens ne vont pas oser prononcer ça 2 fois. Ils vont vous laisser tranquille dans votre foyer. En tout cas, si vous n'avez pas de problème, cette astuce-là, c'est ma grand-mère qui m'a montré seulement. Il n'y a rien. Vous-même, vous serez dépassé. Hey. La chaussure, elle est en mouvement.
Et les gens qui te suivent, ils suivent les pas de ta chaussure, n'est-ce pas? Quand elles vont suivre les pas là comme ça pour dire, ah, elle est venue, elle a pris. Et elles vont envoyer d'abord les enfants. Il y a des femmes, tu ne peux pas prendre leur mari dès. Même mari qu'elle a laissé là, elle ne veut pas qu'une autre femme vienne s'asseoir dedans. Tu as laissé mari là, il faut aller continuer ta vie. Maintenant, tu vas torturer la fille là, de sorte que, hey, les amis, hey, levez-vous pour votre vie. Au moment où les femmes là sont en train de s'agiter dehors là-bas comme ça, et puis toi tu es dans le foyer là, fais le placali là seulement et fais les boules là, mets ça seulement dans la chaussure. Tu vas les bloquer. Même la route, même le nom même de ton mari, elles ne vont pas trouver. Même le nom de ton mari, elles ne vont pas trouver. Hein. Elles vont te laisser même dans la maison là. Toi-même, tu vas avoir dans tes oreilles, ça fait quand on dit chez nous, ça veut dire que les bruits que tu entendais avec hein, je vais venir, on appelle ton mari, on parle des. Ça veut dire qu'on te donne l'impression que tu n'es pas seul dans le foyer là. Ça là, tu vas oublier ça. Ma soeur, tu vas oublier. Ah, si tu te lèves pour ta vie, Dieu se lève pour toi aussi. Je vous dis la vérité, si tu te lèves pour ta vie, Dieu se lève aussi pour toi. Affaire de mariage, surtout mariage de quelqu'un d'autre. Hey, quand toi-même tu vas faire ça, le troisième jour, enlève rapidement. Enlève rapidement. Et puis tu vas aller jeter. Jette ça loin. S'il y a 10 femmes que le monsieur. C'est ma grand-mère qui m'a montré. Si ça peut aider, eh ben je le partage, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt. D'autres.